Ouais, je suis pas trop dispo là. Non, c'est pas fini, non. Bah, faut voir ça avec Michael. Hein. Oui, mais on a pas reçu les câbles, hein, donc je brancherai pas après. Hein. D'accord, bah, tu m'apprends mon métier aussi. Ouais, laisse faire les professionnels, hein, je pense. Hein. Putain, il est lourd, lui. Ouais, il veut me mettre sur un autre montage en même temps, c'est un malin. Mais il pense qu'il est manager, mais ça veut rien faire, ces mecs-là. Il était dans les transports avant, lui. Attends, parce qu'il revient, là. Ouais, je peux respirer, là, où j'attends dimanche. Oui, j'ai vu les plannings. Bah, justement, je suis pas dessus, donc... Il paraît que l'être humain peut être sur un seul chantier en même temps. Ouais, mais bah, je suis pas fils d'extraterrestre, hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ben, fais un rapport, fais un rapport. Tu m'enverras une copie? Je suis le meilleur en podium, tu trouveras pas mieux. Même en granin, il n'y a pas meilleur. Attends, pourquoi qu'on fait les Stades de France, à ton avis? Parce qu'on est les best. Natation, c'est technique, hein. Y a 24 plateaux là derrière toi. Hein. Puis tu vois, là, j'ai pas la notice. Hein. En termes de gabarit, ça, c'est un Pink Floyd, hein, donc je te cache pas que ça se fait en équipe. Hein. Mais tu vois là, les gars, ils sont en retard. Non, non, c'est compliqué. Hein. Hein? Si, on recrute, mais tu sais, c'est spécial comme métier. Hein. Faut que ça vienne de là, sinon c'est pas la peine. De quoi? Toi? Mais t'as vu comment t'es fait? On dirait une chips. Il est fou, il veut rentrer dans l'équipe. T'es un comique, toi, tu regardes les Simpsons le soir. Quel âge que t'as? 26 ans? C'est un âge à la con, ça. Ouais, je suis fier, ouais. Mais je connais mon taf, c'est tout. Moi, quand je monte une scène, j'ai une vision, moi. Hein, je mets pas des sections du millimètre pour un Beyoncé, quoi. Hein, je suis pas en stage, quoi. Puis t'as l'autre qui met la pression tout le temps, là. Celui que t'as vu, là, l'espèce de mini-chef. Il veut qu'on monte un 26 mètres dans la journée, il est mignon, lui. Je fais quoi, moi? Je mets la moitié des traverses. Hein, puis dans 2 heures, on ramasse tout. T'as vu pour Madonna ce qui s'est passé? À Marseille? Bah, ils ont pas mis de maintien latéral, ça s'est écroulé. Ah, ils ont voulu aller vite, c'est sûr, ça a pas traîné. Hein. En 50 secondes, ça s'est pété la gueule. Oh, je sais pas si c'est une histoire de budget. C'est les nouvelles normes, surtout. Avec l'Europe, ils ont changé les protocoles. Là. Alors, la sécurité, là, il n'y a plus personne. Hein. Les mecs, ils sont tous restés à Bruxelles. Hein. Et tu sais qu'ils nous cassent les couilles avec l'Europe. Hein. Voilà, je suis pas censé fumer, tu vois. Mais tu la vois, celle-là? Tu la vois comment j'en ai rien à branler? On en a mis un, Madonna, nous, l'année dernière. C'est sûr, c'est du beau matos, hein, mais par contre, ça sonne pas. Non, il n'y a pas de son. Les concerts de Madonna, on n'entend rien. Même les mecs à la table de mixage, ils le disent. On monte les curseurs, mais il se passe rien. Mais non, mais parce qu'elle est mal entourée. Elle monte sur scène avec des DJ, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle veut pas prendre de musiciens, bon, bah, elle fait ce qu'elle veut. Non, non, Madonna, c'est plié, hein, c'est mort. Hein. Moi, je le dis, allez pas la voir. Hein. Enfin, si tu peux, hein, parce que peut-être que t'as des amis, moi, je sais pas comment tu gères ta vie. Hein. Et tu vois, là, pour des questions de sécurité, on met des renforts. Pour pas que les gens sautent au-dessus. Ça nous sert au Royaume-Uni, ça. Parce que là-bas, c'est des barjots. Hein. Tant pour Dépêche Mode, les mecs, ils se jetaient des balcons. Puis t'as les événements sportifs, ça, c'est encore autre chose. Mais souvent, c'est à la sortie que ça dérape. Moi, j'ai vu des trucs sur Glasgow. Des mecs, ils se font sodomiser avec des blousons, c'est chaud. Hein. Non, non, moi, je joue pas avec l'Angleterre. Hein, hein? Ouais, j'ai une nana, ouais. Ouais, j'ai un certain succès. Ouais. De quoi? Non, pas une parisienne, t'es fou, toi, il est fou, celui-là. Attends, j'ai donné, moi, hein. J'ai fait 2 ans avec une. Hein, hein? Ah bah, un enfer, c'est le mot que tu connais. Moi, elle était BCBG, donc j'étais un peu attiré, tu vois. Ah bah, grosse erreur, hein. Niveau 6, l'erreur. Attends, moi, je me tapais toutes les sorties, hein. Exposition, pièces de théâtre, Sacha Guitry et tout le bordel, hein. Mais moi, à la fin, je devenais agressif. Elle m'emmenait dans des concerts de musique classique. Attends, j'ai une tête à écouter Berlioz? De toute façon, je vais te dire un truc, hein. Plus elles sont belles et plus t'es emmerdé. Hein. Moi, j'ai un pote tchécoslovaque, hein, Boris, il est avec un espèce de top modèle, hein, ou un équivalent, parce que tu sais, t'as des niveaux dans les mannequins. Bon, elle, elle fait 1m78, donc déjà, elle fait le tour du monde. Mais alors, elle lui prend la tête, il m'a raconté. Tu sais, elle est encore dans l'avion, que déjà, il sent qu'elle va atterrir, tu vois. Ben, c'est pas dur, elle fait la gueule non-stop, même quand elle dort. Attends, il lui a payé un scooter, un Blackberry, l'autre, elle est pas heureuse. Mais tu sais, comme elle est mignonne, elle se prend pour Jésus-Christ, la meuf. Non, non, Boris, il est pas bien. Puis c'est pareil, il se tape des sorties à la con. Hein. En plus, elle aime l'art contemporain, alors là, il est pas dans la merde. Non, non, des fois, t'es mieux tout seul. Hein. Avec tes potes, ta petite brasserie, ton petit Canal+. Mais aujourd'hui, les gens s'emmerdent dans les stades. Hein. Moi, à l'époque, je te montais des scènes, il y avait de l'ambiance. Hein. Puis c'était plus cool, surtout.
Nous, on finissait les soirées avec les musicos. Hein. Ouais, Kurt Cobain, il rentrait de son concert, on était avec lui. Mais il était fou, lui. Oh, bah, il commandait de la coke à peu près pour l'équivalent de la ville de Strasbourg, tu vois. Hein, sauf qu'on était 40, quoi. Oh, bah, c'est des soirées, moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Un peu VIP, underground. Puis t'avais du beau linge, hein. Ils mettaient des réalisateurs de cinéma, des trucs comme ça. Toi, t'avais des acteurs, tu vois, les gens, ils se positionnent. Tu sais, c'est les soirées, on fume de l'opium, ça fait bien même. Genre, c'est une drogue, mais tu vois, ce soir, ça va, quoi. Les nanas, je t'explique même pas. Hein. Allongées par terre, sur des coussins, talons aiguilles, t'en as une à caresse un tigre, t'en as qui partaient, à minuit, t'en as d'autres qui arrivaient, des grandes blacks avec des poitrines pour 4 personnes. Alors là, c'est importé directement du cosmos, hein, je te le dis tout de suite. Moi, je te parle de ça, c'était début 80. Hein. Je fumais ma clope, Mick Jagger, il était à 5 mètres. Hein. Mais tu sais, des mecs comme ça, la séduction, ils savent pas ce que c'est. Dire bonjour, tout ça. Mick Jagger, il voit une nana, il lui serre la main, la fille, il accouche. Hein. Moi, j'ai vu Frank Sinatra, lui, il se fait pas chier. Hein. T'as, il était chaud. Il disait à son manager, tiens, tu vois la fille près du minibar, là. J'aimerais bien lui parler, autrement dit, je lui mettrais bien une cartouche, quoi. Ah bah, aucun souci, hein. Tout le monde sortait de l'appart. Hein. De toute façon, la nana, elle avait pas tellement de marge de malheur. Hein. Elle va pas dire, le mec, il m'a violé, c'était une relation non désirée, je me suis trompé d'appartement. Ben non, attends, je suis désolé, t'es dans la piole de Frank Sinatra, tu le désires, point, tu fermes ta gueule. Moi, j'ai un pote, hein, il vient de faire construire sa baraque, il a rien vérifié. Hein. Ben oui, mais les tremblements de terre, c'est un sujet, ça. Oui, j'ai acheté une maison, donc excusez-moi. Hein. Mais c'est une règle, ça, jamais faire construire sa maison entre deux plaques tectoniques. Toujours au milieu. Oui, t'es d'accord. Alors pourquoi les gens ils vont habiter à San Francisco? Pourquoi les stars elles font construire là-bas? Ouais, ouais, non, mais ils font les malins. Mais tu vas voir quand ça va péter à Hollywood. Hein, quand Tom Cruise il sera sous les gravats là-bas, il fera moins son Kinder. Hein. Les Brad Pitt là. Pour l'instant ça se recoiffe. Hein, les Benoît Magimel et tout ça là. Parce que t'as beau avoir des abdos, les plaques tectoniques, tu vas pas les retenir. De toute façon, on va tous crever, donc... Le sida? Ah, certainement pas. Ah ben justement. Ah ben je peux te dire que tu l'attraperas pas. Non, tu l'attraperas pas. Il n'y a plus que les drogués pour le sida. Ah ben tout faux, là, tout faux. Mais c'est pas moi, hein, il y a des études. Hein. Pour avoir le sida, faut qu'il y ait frottement pendant 12 minutes. Et ouais, mon pote. Mais moi, à 12 minutes, ça fait longtemps que je suis plus là. Hein. Ah oui, ça fait un moment que j'ai allumé la clope. Hein. Mais au pire, tu le fais en deux temps. Tu fais deux fois 6 minutes et tu nous fais pas chier. T'as l'autre, il va appeler la police parce qu'il a tiré son coup un quart d'heure. Mais les capotes, c'est récent. Hein. Nous, avant, on avait un accident, on se mettait de l'eau de Cologne sur la bite, hein, il n'y avait pas de marketing. Dans Queen, Queen, hein, it's a kind of magic. Dans Freddie Mercury, hein, le symbole, le plus grand, le plus grand. Et Freddie Mercury, hein, c'est quand même le seul. Hein, quand il allait faire des courses, il gardait sa cape. Non, mais il n'y a plus de rock, il n'y a plus de rocker, faut être honnête. Il reste qui? Johnny. Hein, Billy Idol, Scorpion. Non mais je veux dire, voilà, il y a quatre groupes dans le monde. C'est pas Calogero là, ou je sais pas quoi, là, Whitney Houston. C'est pas du rock, ça. C'est pas ça, le rock. Le rock, c'est t'arrives, bon, t'as une guitare, et tu sais pas si elle va marcher. C'est ça, le rock. Tu prends des risques, t'as peur. Hein. Ce soir, tu vas jouer, peut-être que ton batteur, il va pas venir, tu sais pas. Bon. Mais toi, faut que t'assures. Parce que t'as 10 000 personnes ce soir, et t'attendent. Hein. Et elles feront pas de cadeaux. C'est ça, le rock. Il y a des gens, ils t'aiment, il y a des gens, ils te détestent. Enfin, faut que tu l'acceptes, c'est pas facile. Il y en a, ils sont pas capables, ils supportent pas. Regarde les Doors, ils ont pas pu supporter. Oh, ils sont tous morts. T'as vu Elvis? Oh, il est devenu tout bouffi. Parce que c'est des personnes, à la base, elles étaient parfaites pour ça, c'est tout. Eddie Mitchell, c'est une tapette, faudra y venir. Hein, il y en a, il ferait mieux de faire du blues. Hein. Hein, c'est pas dur le blues. Hein, tu te mets dans un champ, tu cries. Enfin, le rock, c'est un monde à part. Hein, tu peux te suicider à n'importe quel moment. Hein, t'as pas de famille, t'as même pas de père. Ça se trouve, t'en as jamais eu. Led Zeppelin, en 71, hein, ils sont arrivés sur scène en dragster. Hein, ils ont brûlé 10 personnes au premier rang. Et ouais, mon pote. Un groupe de rock, c'est un groupe qui se drogue. Bon. Alain Bachoum, il se drogue. Bon, c'est du rock. Jimi Hendrix, c'était du rock. Non, je suis désolé. Les Rolling Stones, c'est pas du rock. Hein? De quoi? Ils se droguent? Les Stones? Bon, bah, c'est du rock.